l'eau, ou bien irremplaçable pour la vie. L'eau, ressource limitée et irremplaçable de par ses multiples usages, est sollicitée dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Selon les statistiques, l'utilisation et la consommation de l'eau augmentent de façon considérable dans tous les secteurs chaque année. Mais l'agriculture reste le secteur qui utilise le plus d'eau. Elle est suivie de l'industrie, alors que la consommation humaine ne représente que 2%. L'eau est donc réellement au cœur de tous les enjeux de développement. Selon le deuxième rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, il y a actuellement suffisamment d'eau pour tous. Seulement, cette ressource est menacée à cause de sa mauvaise gouvernance. Comment mobiliser et partager ce liquide précieux de façon équitable tout en assurant sa pérennité et celle des écosystèmes naturels? Telle est la préoccupation de la communauté mondiale et nationale à laquelle se joignent le Partenariat national de l'eau du Bénin et l'ONG Protos Bénin pour faire de l'eau l'affaire de tous. Situé dans le golfe de Guinée, le Bénin reçoit entre 700 et 1400 mm de hauteur de pluie chaque année. Les ressources en eau du pays sont estimées à 13 milliards de mètres cubes. Ces eaux alimentent des fleuves et rivières tels que le Niger, l'Ouémé, la Libourie, le Para, le Zo, le Koufo, le Mono. Elles permettent aussi au pays de disposer de plus de 15 000 hectares de zones humides, dont font partie les lacs Nokwe et Aimé, ainsi que les lagunes côtières de Cotonou et de Porto-Novo. Ces zones humides sont d'une biodiversité exceptionnelle et assurent des fonctions écologiques, socio-économiques et culturelles très importantes. Par rapport aux ressources en eau, on a des illusions et on a des certitudes. Les illusions, c'est que l'on pense qu'il y a suffisamment d'eau pour tout le monde, mais on ne fait pas souvent état du fait que cette ressource est différemment répartie dans l'espace et dans le temps. En suivant la direction des cours d'eau, notre voyage va nous conduire du nord au sud du Bénin. C'est par l'Atakora, à travers pistes rocheuses et difficiles d'accès, que commence notre odyssée. Ce département, dont les chaînes de montagnes culminent à plus de 800 mètres d'altitude, est le château d'eau du pays parce que les principaux cours d'eau y prennent leur source. La rivière Yerpao est l'un des affluents du plus grand fleuve du Bénin, le fleuve Ouémé. Son lit a permis la construction en 1997 du premier barrage hydroélectrique du pays. Une installation destinée à fournir de l'énergie électrique à la ville de Nakitengu. Seulement, en moins d'une décennie d'existence, elle est déjà gravement menacée. La capacité du barrage est de 6400 mètres cubes. L'énergie qui est produite ici est uniquement la base de l'eau. Le temps de tournage de la turbine a baissé dans les temps. À peine, en, disons, une heure de temps par jour, quoi, à cause de l'ensablement. Autre source d'inquiétude, la rivière Fouri-Yenkré, bras de la Yerpao qui traverse la ville de Nakitengu sur toute sa longueur, est en voie de disparition. Il y a quelques années, c'est une rivière où on pêchait, il y avait du poisson. Hein? Les gens venaient même pour des activités de loisirs. Il y avait des plantations tout autour. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Dès que la pluie va cesser, à peine une, deux semaines après, il y a même une seule goutte d'eau qui traverse la ville. La ville, quant à elle, bénéficie d'un système d'approvisionnement en eau potable, tout comme sa voisine, Dugo, alimentée à partir d'une retenue d'eau. Mais ici, comme à Nakitengu, les difficultés ne manquent pas. Nous avons remarqué une baisse substantielle du niveau d'eau. Ceci
est due en partie à un important dépôt de sédiments que nous observons au niveau du barrage, parce qu'il y a un ensablement progressif. Il faut noter que depuis la construction du barrage, il n'y avait jamais eu de grands travaux de réaménagement. Et cette année également, il y a eu une importante évaporation. Tous ces éléments sommés expliquent le niveau d'eau assez bas que nous observons dans le barrage. Alors, face à cette situation, la SONEM envisage procéder à un purage, un dragage, pour le remettre à sa capacité réelle de stockage, afin de pouvoir couvrir les années à venir les besoins de la population. Mais aussi faudra-t-il venir à bout des pratiques anarchiques d'occupation de l'espace et des problèmes de déboisement qui amplifient l'érosion et le comblement du barrage. Nous sommes ici à Moussan-Samou. Cette bougarde de quelques 500 habitants est située entre Nassitengo et Bokombe. Il y a quelques années, il fallait des heures de portage d'eau pour ces mères de famille. À la faveur d'un programme d'hydraulique villageoise soutenu par les partenaires au développement, une pompe à motricité humaine est installée. Mais la population s'est accrue et avec elle, les besoins en eau. Depuis, un autre puits est foré. Jusqu'à notre passage, la pompe n'est pas installée, mais c'est déjà l'espoir chez les populations. Avant, nous buvions de l'eau sale. Quand on nous a dit ce qu'il fallait faire pour disposer de l'eau potable, nous nous sommes pliés en quatre pour remplir les conditions. Aujourd'hui, tout le village est heureux d'accueillir cette pompe qui va nous donner l'eau potable. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez trouvé ici une foule d'habitants de notre village venus manifester leur joie. À un pas de là, Pouni Tchangou, les habitants de ce hameau sont moins chanceux. Ils boivent de nouveau l'eau du Marigot depuis que leur pompe est tombée en panne. Faute de moyens, disent-ils, ils ne peuvent pas la réparer. Encore moins, mobiliser les 250 000 francs CFA de participation communautaire exigée pour un nouveau fourrage. À propos ici, là, on est trop pauvre sur la terre. Hein? On est trop pauvre. Ah bon, là, on cultive l'arachide et on vendait. Il y avait le moment là, il y avait l'argent. Maintenant là, il n'y a pas l'argent. C'est à cause de ça, si on veut que je vous fais, on ne trouve pas l'argent. Oui. En remontant vers l'est, on pourrait prendre une chaloupe à la découverte de l'immense fleuve qui sépare le Bénin et le Niger. Seulement voilà, ce cours d'eau naguère, voie de communication entre communautés des deux pays, réservoir de produits halieutiques, objet de convoitise pour son riche bassin, est de plus en plus l'ombre de lui-même. Le fleuve est devenu des sables. Or qu'avant, de 47 en 53, c'était des sanars qui passent sur le fleuve pour aller à Niamey. Mais aujourd'hui, même les petites barques motorisées ne peuvent pas marcher. La pêche aussi, ça diminue. Le parc W a été réhabilité. Nous souhaitons que le fleuve aussi soit réhabilité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est les eaux du fleuve Niger qui baissent au fur et à mesure des années qui passent. Donc nous voyons, et ceci est dû surtout à l'ensablement qui est tellement visible, surtout en cette période de décrue. Donc chaque année, au mois de mai, nous sommes obligés.